Allez, pour l'expérience que nous allons réaliser maintenant, nous allons utiliser quelques accessoires, à savoir des petits gobelets en plastique. Vous avez peut-être vu ça récemment à la télévision. C'est bien, rien que ça, ça t'amuse. Ouais. C'est pas grand chose, hein. Non, mais c'est important d'avoir. Non, mais si vous avez un jouet à lui offrir, vous l'achetez. Ils en font des grands comme ça, il y en a 100 dedans. Oh là, vous avez pour l'année avec ça. Des petits gobelets et des petits palettes de bois. 4 gobelets, 4 palettes de bois. Alors, ça, je m'explique, c'est juste pour le transport. C'est pour éviter que ça se balade. Alors, bref, ton boulot va être simple. Hein, juste recouvrir les palettes de bois avec les gobelets et mélanger tout ça comme tu as envie. Tu peux également changer les gobelets de place. Mais bien entendu, avec sa rampe, on ne peut pas voir ce qui va se passer, on va se mettre devant et on va reprendre où on en était tout à l'heure, à savoir le petit massage. Fred, prends ton temps, on a un très bon feeling avec Sarah. Alors tu mélanges tout comme tu veux, tu peux changer les gobelets, les nages, hein, les palettes, tu changes le tas, tu t'amuses, quoi, tu t'éclates. Alors si je lui dis ça, ça va prendre. C'est cartonne, hein? C'est bon? C'est sûr. Bon, bah, tu peux retourner à ta place. Sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Ça va. Oh, oh mince, on en a perdu. Reviens, reviens. Il y en a un qui est tombé. C'est pour le plaisir. Tu remélanges, il y en a un qui est tombé. Et tu les mets en ligne, s'il te plaît. Voilà. C'est sympa comme métier. Hein. Bravo. Bon, bah, voilà. Merci. Sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Ça va. Je vais juste te poser une question simple. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me montrer un gobelet? Oui, bah, tu l'aimes bien? Ni plus sans plus. Ok, bon. Encore? J'aime bien ça! Bon, vous ne faites pas ça chez nous, c'est stupide, hein? Alors, il y a un truc à savoir qui est très important concernant cette expérience, c'est que tous les mentalistes et magiciens, quasiment, la font. Les magiciens la ratent. Ce qui signe généralement le moment où ils arrêtent. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas d'ailleurs, sur le fait que cette expérience est réellement stupide et ratable, je vous invite à aller sur YouTube et vous tapez Bad Magic Trick. Vous aurez deux merveilleux ratés. Le premier, le mec tout seul. Ah, le deuxième, la spectatrice. J'adore celle-là. Elle remonte, elle a tout coulé. Bon, ça reste le même que tu aimes bien. Ayez également conscience d'une chose, c'est qu'à ce moment-là, ni Sarah ni moi n'avons vu ce qui était fait dans notre dos. Ce qui augmente considérablement l'intérêt de l'expérience, n'est-ce pas? Allez, est-ce que tu as vraiment un bon feeling avec un... Vraiment, genre, tu l'aimes, tu... Oui, ok.